D'accord. Avec la sous-tasse, c'est mignon. Alors les amis, là j'étais chez Intermarché et je voulais vous faire montrer le rayon polonais. Donc là c'est du salsesson noir, c'est le saucisson là que je vous parlais la dernière fois. Ici nous avons du krakow aux herbes. Ensuite nous avons des saucisses de fête. C'est comme du boudin, c'est très bon. Les petites Metka. On a des grosses aussi, hein, là on a des plus gros paquets. Ici nous avons du Liberka. Ça c'est un genre de pâté, c'est très bon. Voilà, Liberka blanche également. Ici, nous avons du quoi? Oh, j'ai pas bien vu. Je me rappelle plus. du kishka. Ouais, c'est ça. Et le saucisson polonais à la cheminée. Bonjour mes abonnés. Comment allez-vous aujourd'hui en ce jeudi 7? Je suis pas sûre. Je sais même plus comment je vis. Oui, nous sommes le 7 novembre. Il est tard, les amis. Il est très tard. Il est 14h10. Non, mais j'ai plein de choses à vous raconter. Non, mais c'est... Voilà, je vous raconte. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, pour le commencement, je me suis réveillée à 6h15. Alors... on a eu un appel hier de l'hôpital pour Vincent, parce qu'en fait Vincent il y avait eu un rendez-vous la semaine dernière, mais il n'a pas pu y aller. Et donc on avait dit à l'infirmière, écoutez, il faudrait donner un rendez-vous à Vincent, sauf les jours où je suis en séance, sauf le lundi, le mercredi et le vendredi. Du coup elle dit d'accord, vous inquiétez pas, je vous rappelle. Ok, hier, Eric reçoit un mail, c'est même pas un appel, un mail comme quoi que Vincent a rendez-vous ce matin, ce jeudi, à 8h. Donc, je dis demain, je lui dis, bah, il me dit ouais, bah, je dis non mais attends, je dis en un jour, franchement, tu vois... si on aurait eu un truc à faire, enfin bref, du coup, il me dit, bah ouais, il dit, bah écoute, il dit, de toute façon, t'aurais eu un truc à faire, on aurait annulé, hein. Je dis, ouais, c'est sûr, mais bon, quand même, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis levée à 6h15, parce que Vincent avait un rendez-vous. Désolée, il y avait les copains à Macho qui passaient devant, donc j'ai dû faire rentrer Macho. Donc, je me lève à 6h15 en même temps que Eric. Et c'est bon. Moi, je me prépare, je bois mon petit café avec. Eric part au boulot. Je pars à la douchette. Bref, je me prépare comme je dis. 7h, je réveille Vincent. Donc, Vincent, bah, pareil. Hein. Vincent, il se lève tout de suite quand c'est comme ça. Il se lève, hop, à la douche. Et on est parti. Vincent ne déjeune pas parce qu'il y a la prise de sang à faire, donc il doit être à jeun. Donc on part. Alors Eric me dit surtout, ne prends pas l'autoroute directe, passe par derrière, tu rattraperas l'autoroute après. Alors par derrière, il veut dire Marchiennes, tout ça. Oui, parce que le rendez-vous était à Lille. Hein, voilà. Donc je lui dis, ok, c'est vrai que là, en ce moment, sur ce clin, ceux qui sont de la région, il y a des travaux. Et c'est la merdasse. Moi, je le vois à peu près quand je vais à l'hôpital, vous voyez. Bon, bref. Parce que moi, c'est carrément à l'opposé. Du coup, on part. Là, j'arrive à Marchiennes. Bouchon. Je lui dis, mais non. Je lui dis, bon, c'est peut-être le centre-ville de Marchiennes. Souvent, ça bloque à ce niveau-là.
Pas du tout. C'était tout le long jusqu'à l'autoroute. Marchienne, Orchies. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La misère. Vous savez à quelle heure on est arrivé là-bas à l'hôpital? 9h15. Bon, on est en retard, mais bon. De toute façon, elle sait très bien qu'on n'habite pas tout près. Et de toute façon, elle dit 8h, mais ce n'est pas 8h pile, hein. On peut venir entre 8h et 10h, vous voyez? Mais nous, on aime bien y aller de bonne heure, comme ça au moins, plus vite fait, plus vite tranquille, plus vite parti. Donc, on arrive là-bas, pas de bol, pas de place pour se garer. J'ai dû tourner, 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 tourner. Donc, moi, j'ai déposé Vincent, bien évidemment, hein. Et puis après, j'ai fait le tour. Parce que bon, bah, je rentre pas avec Vincent, il est grand, hein. Puis, bon, il connaît, et puis moi aussi, quoi. S'il y a un souci, il va m'en parler. Et donc, moi, je vais à la café. Bon, ça y est, je trouve une place, tout ça. Hein, donc, j'y vais et tout. Et moi, je l'attends à la cafétéria. Donc, j'ai été me prendre une petite souplette à la tomate. Bon, c'est bon, hein. C'est quand même un peu salé et c'est de la flotte, quoi. Mais bon, un peu de chaud dans le corps, ça faisait du bien, je vous le dis. Surtout que le café là-bas n'est pas bon. Moi, j'ai déjà testé et franchement, c'est pas bon. Donc, voilà, j'ai attendu 1 heure. Donc, j'ai joué à mon jeu sur le téléphone et j'ai répondu à vos coms également. Et là, je vois arriver Vincent 1 heure après. Oh, je dis, bah, ça a été vite par rapport à d'habitude. C'est voire 1 heure et demie, voire plus. On sort pas là avant 11 heures. Donc, j'étais super contente et lui aussi, quoi. C'est quoi ces cheveux? Faites pas attention, les amis. Hein. Voilà. Donc, de là, je lui dis à Vincent, écoute, j'ai des abonnés qui m'ont parlé du magasin Ouibra. C'est ça, hein? Ouibra. Et bon, c'était à 13 minutes de l'hôpital. Je lui dis à Vincent, bah, écoute, on va y aller parce qu'apparemment, c'est mieux que Action. Du coup, je lui dis, on va aller faire un tour, sachant. Pardon. Sachant que Vincent avait besoin d'un. Comment ça s'appelle? Ah! D'un chargeur de téléphone. Je vais chercher à boire, j'ai soif. Donc, on y va. Donc, je mets le GPS. Et on est à 13 minutes à peu près de l'hôpital à ce magasin. Donc, on y va. Alors, j'ai aussi une abonnée qui m'a envoyé un mail me demandant quand j'allais sur l'île. Alors, je lui ai répondu, je ne sais pas, parce que bah, ce n'était pas prévu, hein. Je ne sais pas, mais si j'y vais, dis-moi ce que tu as besoin. Je lui ai envoyé des mails, elle ne m'a pas répondu. Donc, bah, tant pis. Là maintenant, j'y vais pas avant. Oh, je vais pas vous dire une bêtise. Franchement, peut-être, mais alors vraiment peut-être le mois prochain avec Julie, mais je peut-être hein, parce que pour les cadeaux de Noël, sinon ça sera pas avant janvier parce que Vincent aura rendez-vous en janvier. Donc, on arrive à ce magasin déjà. Il est en pleine rue, en pleine route principale. Pas de place pour se garer, il n'y a même pas un parking pour ce magasin. Mais c'est n'importe quoi. Ils font un magasin, il n'y a pas de place pour se garer. On a tourné, tourné, tourné. Vincent, il dit, écoute, maman, si tu trouves pas, viens, on s'en va, on va chez Action. Ben, je dis, écoute, c'est dommage parce qu'on est là, il y a bien quelqu'un qui va partir et puis que. Donc, je vais un peu plus loin. Et là, je vois un petit parking et il y a une place. Donc, j'y vais. Donc on se gare, on va à pied, bon c'était pas très loin, hein, même pas 200 mètres. Donc on va à pied et là j'arrive dans ce magasin. Donc je vous ai filmé un tout petit peu parce que il y avait pas grand-chose, franchement. Pour être sincère et transparente avec vous, je n'aime pas. Je n'aime pas ce magasin, il y a rien. Non, franchement, j'aime pas du tout. Non, faut pas dire que c'est comme Action, c'est pas vrai du tout. Ah non, à moins que chez vous, il y ait autrement que le nôtre,
Mais nous, ici, ça fait genre marché aux affaires, si vous connaissez. Ça fait ce genre-là. Il y a des petites choses, bien sûr, il y a des petites choses que... Comment je vais vous dire? Je vais pas dire qu'on trouve pas chez Action parce que c'est les mêmes boîtes. Peut-être la vaisselle. Voilà, mais encore, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien comme vaisselle. Je vous ai fait montrer tout ce qu'il y avait en Noël. Et après, c'était de la décoration, des guirlandes, des boules et tout et tout. Après, des vêtements, mais... Non, franchement, non. Je vais pas dire marché aux affaires. Ça serait mentir. J'ai trouvé autre chose. Ziman. C'est la même chose. C'est la même chose. Franchement, les amis, si vous aimez ce magasin-là, ben non, excusez-moi, mais moi je préfère largement Action. Franchement, pour l'instant, Action, il est là, hein. Ah oui, il est là, hein. Bon, du coup, on a été. Vincent n'a pas trouvé son chargeur. Il a pris. Vincent, il a pris des bonbons et il a pris une petite boisson. Voilà. Bon, il l'a emmené avec lui parce que là, je l'ai ramené chez lui. C'est moi qui a payé, donc c'est sur le ticket de caisse, justement ici. Voilà. Oui, bras. Voilà. C'est dans la ville de Lambersart. Je crois que c'est ça. Attendez, je vais mettre mes lorgnons. Parce que sans ça, les amis, sans les lunettes, je sais pas si vous êtes comme moi, mais hein? Moi, quand j'ai eu l'âge de 40 ans, ça a été la catastrophe. Mes oreilles, mes yeux, mes dents. Clac, tout d'un coup. 40 ans, bim, voilà. Et puis à 50 ans, j'aurai une canne. Non mais rigolez pas les amis, ça va très vite, hein? Vu comment j'ai mal au dos là, bah écoutez, hein. Alors l'adresse. Alors c'est où l'adresse? C'est ici, à Lambersart. Alors il fait le focus. Non, il veut pas. Il veut pas. Ah ça y est, voilà. Ouh, il fait des manières. Voilà, c'est à Lambersart. Donc, je vous montre ce que j'ai pris. Ensuite, de là, on a été chez Action, bien évidemment. Après, j'ai ramené Vincent et moi, je suis repartie chez Intermarché parce qu'il faut savoir que les amis, il est plus de 14 heures. Comme je vous ai dit, j'ai pas déjeuné ce matin, j'ai bu qu'un café et j'ai pas mangé. Donc là, je suis passée à Terre pour m'acheter un truc à manger. Bon. J'ai des choses à la maison que j'aurais pu faire, hein. Mais j'avais envie d'aller à Terre. Pourquoi? Parce que à la radio, j'ai entendu que la rouelle de porc est en promotion à 3,50 € le kilo. J'ai été, il n'y avait rien. Voilà, c'était 6,99. Donc j'ai dit non, je vais attendre. Donc allez, on est parti pour 8 bras. Les amis, j'ai trouvé ça. Je sais pas si vous connaissez, ben si certainement. C'est des petits fruits comme ça. Et dedans, c'est du plastique. Hein. Il y a de la poudre. Oh, j'adorais ça quand ma mère, elle m'achetait des bonbons. Je prenais tout le temps ça. Et les grands tubes, vous savez. Et du coup, ben, ça m'a rappelé mon enfance. Hein. Et du coup, ben, j'en ai pris. Hein. Comment ça s'ouvre ça? Ah voilà. Vous voyez? Il y a la poudre dedans. Regardez. Alors, je sais pas si vous étiez comme moi aussi. Moi, quand j'étais plus jeune, j'en mettais, j'en mettais, j'en mettais. Ben, la gourmandise, hein. Et après, j'étais en train de m'étouffer. Ah, c'est le même. Oh. Oh là là, ça me fait penser avec mes copines. Ah ouais, oh là là, les souvenirs là, c'est fou. Hein. Alors, les bonbons, c'était combien? 1,09. Ça va, hein. Dedans, il y en a pas mal quand même. Hein. Il y en a pas mal dedans quand même. Hein. Qui c'est qui va se régaler? C'est Bibi. 1,09. Ensuite, j'ai pris des pinces à linge. Des grosses cette fois-ci. Parce que vous voyez? Ceux de chez Action, j'avais acheté. Je sais pas si j'en ai une ici sur le linge. Oui, j'en ai une. Chez Action, j'ai acheté ceux-là.
Attendez, je vais enlever mes lunettes parce que sinon avec... J'ai acheté cela. Ça casse, ça casse. Du coup, j'en ai racheté des plus grosses. Voilà, j'ai pris deux paquets par contre. Hein. Il y en a 12 à l'intérieur. Ouais, il y en a 12 passes à linge. Oula, 12 passes à linge. Alors, les passes à linge, elles n'étaient pas chères non plus, hein, dans les 1 euro et quelque chose. On remet les largnons. Hein. Alors, les passes à linge. 1,29€. Ça vaut le coup hein, quand même. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Bah, c'est tout. Ah oui, non, ça. J'ai pris un coffret comme ça. Alors, c'est ça à l'intérieur. Vous voyez? En fait, c'est des produits de la marque Disti. Alors, c'est écrit... vous trouvez ici à l'intérieur? Alors, coffret cadeau de luxe d'Asti. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Hein. Un coffre précieux avec les bijoux de Dusty. Offrez le cadeau de votre propre émotion à ceux qui sont chers et colore sa maison de parfum. En fait, c'est des produits pour faire le ménage. Bon, ouais, comme d'habitude, hein. Sandrine, elle achète des produits pour faire du ménage. Donc, j'ai trouvé ça super. C'est une édition limitée. Alors, je ne sais pas si je vais m'en servir ou si je vais l'offrir. Et à l'intérieur, il y a aussi un coupon pour recevoir gratuitement une bouteille multi-surface, celle-ci. Avec l'anneau, vous voyez plus clair. Donc franchement, c'était vraiment, mais alors vraiment pas cher. Vous savez combien j'ai payé? Je vais vous le dire. Je l'ai, hein, mais je préfère le lire. J'ai payé combien? Ben alors, c'est écrit où? Passe à linge. 9,99€. Franchement, les amis, c'est un beau petit cadeau, ça. Hein? Pour faire du ménage. Voilà, c'est un cadeau. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai pris. Et comme je vous ai dit, Vincent, il a pris des petites boules de chewing-gum. Il a pris des chewing-gums en rouleau. Et la petite boisson. Voilà, on en a eu pour 17€. Ensuite, donc... Pardon. Alors, après, je suis partie chez Action. Donc, Vincent a pris ses petites affaires. Hein. Moi, j'ai pris aussi des petites affaires. Alors, en premier lieu, hop, j'ai trouvé la lessive. Elle est revenue. Je suis trop contente. Enfin, je suis contente. L'autre, je l'aime bien aussi. Hein. Mais voilà. Donc, j'ai pris un bidon. Comme ça, moi, je suis tranquille. Par contre, le ticket de caisse, il est là. Ticket de caisse. Alors, on va remettre les lardions encore une fois. Hein. Je crois que je vais les laisser sur mes yeux. Hein. Alors, la lessive est à 2,95€ pour 3 litres. Donc, ça vaut le coup quand même. Hein. Ensuite, bon, bah, du coup, j'ai repris un assouplissant parce que Vincent m'a ramené son linge et j'ai déjà utilisé pas mal une bouteille. Hein. donc ça, c'est 2,38€. J'ai pris un petit bac comme ça en plastique. Vous voyez, il est comme ça pour mettre en dessous de mon évier de cuisine. Alors, la petite boîte, elle est à 99 centimes, je crois. Ah non, 1,48€. Un organisateur transparent en plastique. 1,48€. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Pour mettre toutes mes éponges. Donc, j'ai repris un paquet en cas où. Parce que moi, ici, les éponges, ça part très vite. Hein. Donc, les éponges, 74 centimes pour 3. Alors, il y a plein d'éponges chez Action pour certaines choses. Là, moi, j'ai...
Désolée, quand j'ai soif, ça me coupe la parole. Oui, donc je disais, il y a plusieurs éponges pour certaines choses. Moi, là, j'ai pris multifonction. Vous avez pour salle de bain, vous avez pour les verres, simplement. Vous avez que pour écurer bah, votre porte de cuisine, le gaz, tout ça. Franchement, c'est top, hein? Donc, vous voyez, je vais mettre mes éponges comme ça et toutes mes éponges et voir aussi mes chiffons microfibres. Alors, ensuite, j'ai pris un petit cadeau pour Julie. C'est une nouveauté, les amis, le Grinch. Alors, c'est un petit coffret pour faire des soins pour les pieds et pour les mains. Pour les pieds, regardez. Et pour les mains. Voilà. Donc j'ai trouvé ça super, hein. Alors il y en a deux fois, c'est marqué. Deux fois 20 ml et deux fois 20 ml. Ah, il y a combien de paires alors? Deux, deux. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a deux paires de chaque. Oui, ils disent deux comme ça, je sais pas. Donc j'ai trouvé le packaging super sympa, hein. Et moi, Julie, elle est fan du Grinch. Elle aime trop ça. Donc, le petit coffret Grinch. Alors, comment ils appellent ça, eux? Ah ben, The Grinch. 7 masques, 2,29 €. Pas cher, hein? C'est pas cher. J'ai repris un paquet de croustilles. Alors, c'était le dernier. Il n'y en avait plus. Je suis dégoûtée. Donc, 1,29 € comme d'habitude. Ensuite, j'ai pris ça. Parce que bah, j'aime bien changer de temps en temps. Parce que, en fait, le mien de mon évier, je n'ai plus l'original. Il s'est cassé. Du coup, Eric m'en a trouvé un autre. Et du coup, ça. Ah non, ça, excusez-moi, c'est chez Vibra. C'est pas chez Action, ça. Bah oui, c'est écrit là. Vibra. Pardon, les amis. Tout était mélangé, mais c'est Vincent, il m'a tout mélangé mes courses. Hein. Donc ça coûtait combien? C'était pas cher non plus. Hein. Bouchon, 1,49 €. Voilà. Donc j'ai pris ça. Désolé les amis. Hein. Allez, on continue chez Action. C'était une petite faute. Hein. Ah, je me suis pris des chocolats comme ça. Des truffes, mais enrobées comme ça. En fait, les truffes pralinées. Alors, j'en ai goûté un dans la voiture. Alors, il faut en manger qu'un seul. Parce qu'après, vous avez bien, bien soif. Regardez. Attendez, je vais les lire. Bon, c'est un paquet comme ça. Hein? Alors, je les voyais plus foncés. Et ça se présente comme ceci. Avec des petits copeaux de chocolat. Hop, comme ça. C'est trop bon. Servez-vous, les amis. Servez-vous. Allez-y. De rien, de rien. Donc, c'est un paquet de 200 grammes. Et j'ai payé ça. C'est pas cher non plus. Ah, on dit pas cher, mais 2 plus 2 plus 2 plus 2, hein? Ça va vite, hein. Ah, 2,29 €. Et ça vient de Belgique. Bah oui, les chocolats belges, hein. Ils sont bons, hein? Ensuite, j'ai pris un petit paquet de bonbons comme ça, à la pastèque. Moi, j'aime bien. C'est un paquet de combien de grammes, ça? Ah, bah 200 grammes. Donc, les bonbons. Candyman pastèque 200 grammes, 1,69 €. Donc, ça va. J'ai pris du papier pour les féfesses, du papier pour le cucu. Le papier
humide, 99 centimes. Voilà. Bah, nous, on aime bien avoir ça à la maison. Ça donne soif, le chocolat. On va pas en manger de trop, hein. C'est tout? Non, il y a encore quelque chose. Deux choses. J'ai pris ça. En fait, c'est pour faire tenir mon téléphone quand je suis en séance. Comme ça, je peux le positionner et regarder ce que j'ai envie. Voilà, c'est un petit morceau de bois, hein, franchement. Et ça, c'était 99 centimes. Si je ne me trompe pas. Ouais, 99 centimes. Donc, j'ai pris ça. Vous voyez, ça fait comme ça. Donc, j'ai pris ça. Et je me suis pris un crayon à lèvres de chez Max & More parce que j'en ai pas. Et c'est vrai que là, avec mes rouges à lèvres de chez Kiko, et ben faire un petit contour de lèvres, ça serait très joli, je trouve. Hein. Donc, voilà. Bon, j'aurais pu très bien en prendre dans les affaires à Julie, mais bon, c'est les siens. Hein. Je fais un bordel sur ma table, les amis. Rien, Sandrine va ranger, elle a l'habitude. Alors, ah oui, regardez, en fait c'est un crayon. Ah ouais, d'accord. Il est beau, hein. Ouais, il est vraiment beau, hein. Il est beau, j'aime beaucoup. Donc, à tester quand je me maquillerai. Voilà. Je me suis pas maquillée aujourd'hui. Je me suis pas coiffée. Enfin, vous voyez, simple. Hein. À l'arrache. Voilà, c'est tout pour Action. Donc, j'en ai eu pour 18 euros. Voilà. Allez, sa poubelle. Ensuite, Intermarché. Alors là, Intermarché, c'est autre chose. Hein. Hop là, ça c'est à la poubelle. Les cartons, les papiers, on brûle dans la cheminée. Allez, on est parti. Ça, le Grinch ici. Allez, on y va. J'ai pris des bananes. Parce que, franchement, j'en prends plus beaucoup maintenant. Parce que j'en avais pris chez Grand Frais. Et elles sont noires. Et il n'y a personne qui les mange. Donc là, j'en ai pris que 4. Voilà, c'est largement suffisant. D'ailleurs, je vais même en manger une après. Là. Bien sûr, je vais préparer mon médicament. Hein. Ah, je dis que je vais la manger, peut-être pas. Hein. Désolée pour le bruit du sachet. Si ça gêne quelqu'un, désolée. Je me suis pris un chausson pomme. Pour moi, mon goûter tout à l'heure. Parce que, bon, j'ai du gâteau au chocolat. Mais moi, je suis fan des chaussons aux pommes. Alors moi, ma pâtisserie préférée, mais attention, hein, ça dépend chez qui, hein, c'est le millefeuille. Voilà, moi, chez mon boulanger, le millefeuille, je n'aime pas. Je préfère chez ma pâtissière. C'est marrant, hein, mais c'est comme ça. Ensuite, c'est les éclairs au chocolat. Ensuite, chausson pomme. Voilà, comme ça, vous savez tout de ma vie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous servir. Allez les amis, on continue. J'ai pris une crème pâtissière pour dépanner. C'est du dépannage. Des fois, quand j'ai envie de faire un dessert et puis qu'il me manque des ingrédients, eh ben au moins j'ai ça. Et puis, on va pas se mentir, ça va plus vite, hein. Malgré que j'aime bien faire des choses maison, mais de temps en temps, j'aime bien lâcher prise. Quoique, hier, je fais des pains au dog pour économiser quelques euros, et Sandrine, elle achète du tout fait. Super! Super la meuf! J'ai pris des Caprices des Dieux, c'est en promotion. Bah, je vais vous dire les prix si vous voulez. Hein. Allez, on est parti les amis, je vais vous dire les prix. Ça va être une vidéo qui va durer encore très longtemps. Alors, la préparation...
Crème pâtissière, 1,49 €. Franchement, c'est suffisant un sachet. Hein. Les caprices des dieux. Caprices des dieux. 2,89 €. J'en ai 4 à l'intérieur. C'est cher quand même. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ensuite. Les bananes, c'était 1,99 € le kilo. J'ai payé 1,41 €. Ensuite, le chausson aux pommes, 1 €. Ensuite, j'ai pris. Ben voilà, c'est ça que je vais manger, les amis, juste après là. J'ai pris des petites crêpes comme ça au jambon fromage. Alors, Monique, c'est ma copine, Monique. Oui, si, c'est ma copine. Franchement, elle fait des trucs délicieux. Et moi, quand j'achète des crêpes, eh ben, c'est chez Monique que j'achète. Elles sont super bonnes. Alors, les petites crêpes, j'ai payé. Oui, il faut toujours chercher. Hein. 1,99 €. Il y en a 6 à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris de la farce à légumes. Voilà, parce qu'il est en promotion, il n'était pas cher. Hein. C'était, enfin, pas cher. 10,95 € le kilo quand même. Mais en fait, c'est parce que je vais faire des boulettes la semaine prochaine. Et du coup, je vais en faire aussi avec de la chair à légumes. Moi, j'aime bien ça, faire des petites boules comme ça, j'aime bien. Alors, bah ça, je n'ai pas besoin de ticket, c'est écrit dessus. Hein. Donc, j'ai payé 3,13 €. J'en ai pas beaucoup, hein, c'est juste pour moi, Eric. Hein. J'ai 286 grammes. C'était la barquette la moins chère. Ensuite, ah oui, là aussi, j'ai pris des choses de préparation en 5 minutes. Non, mais ça m'a donné trop envie aussi, là, aussi, voilà. Des cœurs coulants au chocolat et caramel beurre salé. Alors, franchement. Je vais l'acheter qu'une seule fois. C'est vraiment pour goûter. Et après, je le ferai maison, bien évidemment. Et le moule est inclus. Alors, il faut rajouter que du beurre et des œufs. Donc, je vais tester ça. On verra peut-être ce week-end. À voir. Alors, j'ai pas pris que ça, les amis. Non, j'ai pris aussi notre boîte. Ça. Julie, elle n'arrête pas de m'en demander d'en faire. Des cinnamon rolls à la cannelle. Alors, voilà, je l'ai acheté. Je vais le faire maison aussi, hein. Mais voilà, je voulais tester pour voir si c'est bon ou pas. À l'intérieur, on en fait 8 de roulés. Et là, dedans, il y a combien de. Je ne sais pas combien on pourra faire de. Ah, il y a 4 moules, donc 4 gâteaux comme ça. Et là, il y en a 8. Voilà, Sandrine ne sait pas cuisiner. Sandrine ne sait pas cuisiner. Oh, les amis, c'est de temps en temps. Enfin, de temps en temps, même pas, parce que c'est une première fois que j'achète. J'achète jamais d'habitude. Alors, je vais vous mettre ici le passage. Quand je suis à Intermarché pour vous faire montrer les produits polonais. C'est parti. Écoutez bien et regardez bien. Alors, ça vous a plu, hein? Alors, bah, ça m'a donné trop envie, bien évidemment, hein. Ça, c'est mon rayon, le rayon polonais. Et encore, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est quand même bien qu'ils mettent des choses comme ça, bah. Voilà quoi. Donc, eh ben, ça m'a tenté. Moi, j'ai pris des petites menka polonaises. C'est 16 € le kilo. Hein. Mais les menka, Amélie, elle en raffolait quand elle était petite. C'était dingue. À chaque fois qu'on allait faire les courses chez Intermarché, hein, que là, hein, eh ben, il lui fallait toujours ses menka. Et du coup, bah, ça m'a fait penser à elle. Donc, j'en ai pris. Bon, j'ai pris une petite barquette, hein, parce qu'il n'y a que moi et Eric. Hein. Et à l'intérieur, on a 5 petites. Donc, c'est très bien. J'ai payé 2,67 €. Ici, je ne connaissais pas cette saucisse
de la cheminée. Alors franchement, je ne connais pas du tout. Mais alors pas du tout, hein. C'est de la saucisse fumée, hein, je pense, hein, mais il y a de l'ail à l'intérieur. Je vais goûter et je vous dirai ce qu'on en pense. Et là, j'ai payé 3,69 €, c'est 15 € le kilo. Et j'ai pris quoi encore? Alors, j'ai pris. Oui, Sandrine qui ne sait pas cuisiner. Crème anglaise. Bah, franchement, les amis, vu l'heure là qu'il est, j'ai pas encore mangé. Il faut que je range mes courses. Il faut que je range tout mon linge. Regardez, tout ça, c'est sec hein, déjà. Donc, il faut que je range tout. Et puis, après, bah. Télévision. Ah bah écoutez, je suis levée depuis 6h15, je suis fatiguée, j'ai fait que de la route. C'est simple, la route fatigue. Donc une petite crème anglaise de la marque Pâturage, 50 centilitres. C'est pour le gâteau au chocolat de Eric tout à l'heure pour le goûter. Ensuite, j'ai pris filet de bacon chez Monique. Bah oui, je vous l'ai dit que c'était ma copine. Ils sont très bons, franchement, ils sont très très bons. Bon, j'aime bien ceux de Leclerc, Eco Plus, mais par moment il y a beaucoup de gras dedans. Donc, à choisir, pas bah, Monique, hein. Bah, c'est ma copine, donc c'est normal qu'elle est la première. Ouais. Alors, le bacon, 1,92 € et il y a 15 tranches à l'intérieur. Ensuite, j'ai eu moins 40% sur du filet de hareng fumé. Alors moi, j'aime bien ça. Bon, j'en mange pas beaucoup. Hein. C'est vraiment des petits morceaux que je prends par jour. J'aime ça. Hein. Même quand je fais une raclette ou quoi, c'est très bon ça. Et il y a moins 25% de sel. Donc ça m'a plu. Et c'est une bonne marque. Hein. La marque Delpierre, c'est une bonne marque. Donc, moins 40%, j'ai payé 1,66 €. Et pour finir, du lait. J'ai pris qu'une briquette parce que j'étais chargée. J'avais qu'un petit sachet et je ne pouvais pas prendre le pack de lait. Donc, j'ai pris qu'un litre de lait. De toute façon, c'est pour Eric, hein, c'est pour le café. Moi, le lait, je n'aime pas. Sauf dans le chocolat chaud et les préparations, béchamel, crêpes, tout ça. Mais du lait dans mon café, c'est impossible. Vous savez que même, on va boire le café. On boit le café avec Eric. Lui, il va prendre sa cuillère. Voilà, il touille. Dans sa tasse, il y a du lait. Et ben, il va me donner la cuillère. Et ben, je ne la prends pas parce qu'il y a du lait dessus. C'est dingue hein, quand même. Pourtant, je ne vais pas le sentir, mais. Et alors. Non, mais vous savez ce qu'il fait du coup? Il allèche. Et moi, j'ai. Pourtant, il le sait, hein, même lui, il n'aime pas. Et il ne le fait jamais. On ne lèche pas les cuillères. Du café, c'est. Ouais. Même quand on va chez quelqu'un, même. Non. Même à la maison, on ne le fait pas. Mais là, c'était pour m'embêter. Hein. Mais non, on ne lâche pas la cuillère. Enfin, je sais pas, mais. Enfin, moi, chez moi, non. Voilà. Voilà, les amis. Et il manque Match. Oui, j'étais chez Match. Pourquoi? Bah oui, où mon sachet, en fait? Ah, je l'ai oublié dans la voiture. J'étais chez Match. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est risotto aux poireaux. Et j'ai oublié le risotto. Voilà, donc je vais chercher ce que j'ai pris. Bah, j'ai pris le risotto, des tuques, et qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah oui, bon, bah, je vous montre les amis, je vais chercher. Voilà, je suis là. Donc j'ai pris le riz à risotto, c'est du riz arborio, hein. Voilà, de chez Taureau Ailé. D'habitude, je le prends chez Grand Frais. Mais là, comme j'ai pas été. Non, mais les amis, il y en a là. Il y en a là. Sandrine, elle en met partout. Elle fait un bordel. Ensuite, j'ai pris un lot de 5 paquets de tuques. C'était en promotion également. Donc, j'ai pas pris de ticket de caisse.
Donc mais c'était pas cher, moins de 3 euros, je crois. Et j'ai pris pour Eric une côte à l'os. Bah oui, parce que Eric adore la viande. Hein. Donc je lui ai pris une côte à l'os. Alors, franchement, les amis, ça vaut vraiment le coup. 13,99 € le kilo. Il y a 820 grammes. J'ai payé 11,47 €. Et elle est belle, hein. Franchement, elle est très très belle. Regardez l'épaisseur. Voilà pour les courses du jour. C'était pas prévu, hein. J'aurais pas parti ramener Vincent. Jamais j'aurais fait les courses comme ça. Vincent m'a tenté. On va dire que c'est de sa faute, hein. Pauvre chouva, ses oreilles doivent siffler. Bon, allez les amis, c'est pas que je suis pas bien avec vous, mais ça fait longtemps que je papote là. Donc je vais manger et puis on va se retrouver un petit peu tout à l'heure pour finir le vlog. À tout à l'heure les amis. Bon les amis, je vous reprends, il est 16h40. Alors je me suis mis un petit film, mais j'ai pas terminé, j'ai mis pause parce que j'ai plié tout mon linge. J'ai remis du linge parce que Vincent m'avait ramené son linge hier, donc j'ai tout lavé. Là, c'est en train de sécher. Il me reste encore une bâtée qui est en train de se terminer là dans pas très longtemps. C'est l'essorage. Je sais pas si vous entendez. Et franchement, je suis KO technique. Donc, en fait, aujourd'hui, comme je vous avais dit au menu, c'était le risotto de poireaux. Changement de programme. En fait, c'est parce que j'ai des épinards que j'avais achetés la semaine dernière en sachet et qu'il me reste une bonne moitié. Et j'avais aussi acheté des champignons persillés chez Grand Frais en date courte. Et Julie en avait pris un petit peu et du coup la boîte est ouverte et il fallait que je le fasse partir. Donc, ce soir... Eric va manger sa côte à l'os. Avec ça, je vais faire des coquillettes et avec des champignons persillés. Et moi et Julie, des épinards. Voilà, avec les pâtes. Voilà. Et Julie, elle mangera peut-être du jambon. Enfin, elle choisira. Et moi, j'avais acheté un cul de jambon, un fond de jambon, comme on dit. Et je vais me faire des petites tranches et je vais manger ça avec. Comme ça, ça va partir. Ça ne sera pas gaspillé. Le risotto, ce sera sûrement demain. Quoique, à voir. Sinon, ça sera reporté dans la semaine ou la semaine d'après. Je ne sais pas. On verra. Donc, là, maintenant, tout est en place. Hein, j'ai déjà fait chauffer les épinards. Les champignons aussi, je les ai fait chauffer un petit peu avec un petit four de beurre. Et puis j'attends le reste de la famille ensuite pour pour finir la popote. Donc là moi ce que je vais faire, j'attends que la machine est terminée, je prends une douche, je me mets en tenue de maison, tenue d'intérieur, je vais mettre mon ensemble violet et demain je mettrai mon nouveau ensemble vert. Sur ce, je vais vous laisser là pour ce vlog parce que je pense qu'il est quand même assez long. Et puis, je vous mets la photo des hot dogs qu'on a mangé hier. Enfin, je vous en ai présenté qu'un seul. Donc, je vous le mets ici. Et puis, moi, je vais aller terminer mon film. Voilà, en attendant que Eric et Julie rentrent du travail. Alors, non, pas du tout. Julie, hier, n'est pas rentrée à la maison. Elle a dormi chez Amélie. Voilà, parce qu'en fait elle travaille pas très loin de chez Amélie et du coup elle a voulu aller chez sa soeur et elle a dormi là-bas tranquillement. Alors que Vincent il voulait manger les pains hot dogs, je lui dis non, il faut en laisser pour Julie. Et tout compte fait, elle n'est pas rentrée. Donc voilà, là il commence à faire sombre, hein, ça y est, le soleil se couche et franchement il a fait frais aujourd'hui. Hein. Avec le brouillard qui tombe, l'humidité, c'est affreux. Et moi, je vous dis, je suis bien à ma maison. Je ferme mes rideaux, je me mets un petit film, je prends ma petite boisson. Voilà.
Et puis, je mange mes croustilles. J'ai préparé déjà. Hein. Et puis, je me mets dans mon salon. Voilà, les amis. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog avec moi. N'oubliez pas de mettre les pouces, de liker, c'est très important les amis, pour me soutenir dans mon travail et pour me motiver à continuer surtout. Et puis toujours de mettre le gentil commentaire comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire. N'hésitez pas surtout, comme je le dis à chaque fois, si vous ne savez pas quoi écrire, mettez un petit cœur. Ou autre, hein. Ou un chat, ce que vous avez envie, les amis. Ça ne me dérange pas du tout. Mais au moins, je sais que vous êtes présents sur la chaîne. Comme ça, je vois qui regarde la vidéo. Et après, eh ben, je saurai à qui envoyer des colis cadeaux. D'ailleurs, là, il faudrait que j'y pense à acheter... bah, le petit colis cadeau pour le mois de novembre. Alors, je ne sais pas trop quoi faire, quoi acheter. Je ne sais pas. Je sais que vous m'avez donné quelques idées. Mais, bah, vous, pourquoi pas me dire encore une fois ce que vous aimeriez gagner. Parce que ça peut être vous, hein. Vous. Voilà. Ou toi. Voilà. Et... peu importe ce que c'est, hein. Je ferai au maximum ce que je peux et ça me fait plaisir en fait. Et puis voilà, parce que après c'est le mois de décembre, donc là ça sera la période de Noël, donc il faudra trouver encore un autre cadeau. Voilà tout simplement les amis. Allez, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour un prochain vlog avec moi. D'énormes gros. Bisous! Je vous aime les amis, je vous aime beaucoup. Et puis surtout, prenez soin de vous, c'est très important. À demain! Ciao les amis!